you know, the European, you have a bad race or you have a crash or something, you go home to mum and dad and they cook a family Sunday dinner and have a hug with your mum, it's okay. But it's just another element of complexity to the career as an Australian living in Europe. It's one of the most important things, I think, for any professional athlete is their inner sanctum, you know, your board of directors, your little network. And for me, it's more challenging being an Australian and having your closest lifelong family and friends so far away. Donc au niveau des amis, moi j'ai quand même la chance, je pense, d'avoir des amis qui comprennent vraiment ce que je fais, qui me soutiennent, qui sont à fond derrière moi. C'est rare que je parle de vélo avec mes amis, même s'ils font tous du vélo ou on fait tous des trucs. Tu sais, c'est des amis qui, ça fait 15-20 ans qu'on se connaît puis qu'on grandit ensemble. Là, j'ai des frères qui sont au top, hein, qui me pareil, qui le grand, enfin j'ai un grand frère et deux petits frères. Mon grand frère, il a fait du vélo aussi. Maintenant, il s'est plus concentré sur ses études, mais il sait ce que c'est, il sait tout. Pourquoi je me donne et ils font aussi des sacrifices pour moi et voilà, je pense que c'est une chance. Mes parents, pareil, je pense que c'est les deux vraiment seules personnes en qui voilà, j'ai entièrement confiance, je peux me reposer si je vais pas bien, ils seront toujours là pour moi. Like, I'm not from a cycling family, I'm not from a crazy sporting family, we're all like healthy and active, but it was just more like this disposition of unconditional love and support for me as a person, not me as a cyclist, you know. C'est le vélo, en fait, c'est un peu ce qui nous rapproche, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés en camp d'entraînement ici, à Calpe. C'est beaucoup de mois qu'on est séparés. T'sais, on n'est pas souvent ensemble parce que les deux, on a des programmes super chargés. Mais quand on est ensemble, vu qu'on pratique le même sport, on a le même métier, ben, on s'entraîne tout le temps ensemble. Je suis contente d'être bien entourée et c'est ce qui me permet aussi maintenant de continuer à progresser. Et... quand on est à la maison ensemble ou dans un camp d'entraînement quelque part, ben, on passe 24 heures sur 24 ensemble puis on est comme les meilleurs amis du monde. Puis on est vraiment bon pour séparer les deux. T'sais. Le vélo, c'est le travail, puis on s'entraîne, puis on fait nos trucs. Puis quand on rentre à la maison, c'est comme, c'est sûr qu'on va parler du vélo dans un sens que, tu sais, on a des connexions qui sont similaires, qui viennent du vélo, tu sais, fait qu'on va en parler, mais pas d'une façon genre on parle juste de course ou juste de performance ou juste de ci ou juste de ça. T'sais, c'est vraiment, on a nos intérêts à l'extérieur du vélo qui fait que ça se balance bien, je pense. Mais je sais pas si c'est pour tout le monde, mais pour nous, ça fonctionne. Ouais. Puis aussi, tu sais, je veux dire, lui, c'est un coureur qui a un type vraiment différent du mien. Des fois, on se challenge dans nos visions des choses, tu sais. Même d'avoir vécu des mauvais moments, ils ont été là et c'est ce qui m'a permis aussi de les surmonter. À la fin de l'année, j'étais encore en stabs kiné. Là, j'ai arrêté parce que, justement, c'était vraiment très, très compliqué de tout gérer de front. C'était tout faire à 50% et s'envoyer dans le mur, quoi. Donc j'ai préféré faire un choix. Une drôle de vie privée.